Brazil, automatic promotion, me pensais, moi, surtout quand il s'agit de grade 10 et grade 12, là, nous vous avons fait bien attention. Ce n'est pas qu'il vienne, comment dire, elles ont fait automatique, tous enfants gagnent ou promotent, montent dans son grade 10, une grade 11, et son grade 12, une grade 13. Parce que, sinon, qui nous peut faire l'année prochaine, ils pourraient impacter sérieusement en 2022, ça veut dire cursus 2022, l'examen 2022, ils pourraient impacter sérieusement le résultat SI et HSI. Alors là, vous pensez qu'ils disaient l'Espagne l'école, ça que l'école prend en considération ben, internal exam qu'il fait pour ben enfants grade 10 et ben enfants grade 12, y compris s'ils ont fait ben bon exam. Donc, prend ça en considération. Parce que certaines fois, nous faisons ben enfants dans sa même place à redoubler pour notre propre intérêt. Parce que ces enfants-là, ben éducateurs, pensaient qu'ils n'y pas encore prêts pour monter un grade en plus, additionnel, les affaires des enfants redoublées dans un propre intérêt. Alors, dans sa bande, comment vous dire, donc, dans sa bande cas de grade 10 et grade 12, vous pensez qu'ils faisaient laisser ça au niveau de l'école, prendre en considération la performance des enfants tout au long de l'année à travers le bande assessment et les là, l'école prend souvent une décision. Et non plus qu'il vienne automatique, comment le gouvernement peut avoir tendance à faire pour grade 7, grade 8. Là, il y a un problème parce que c'est pas 10 classes, mais grade 10 et l'autre classe-là, la lycée. Ajaganesh, concernant ben, l'examen SI et du HSI qui pour ENA, est-ce que vous pensez que le gouvernement fin prend toutes les mesures qui sont bizarres pour faciliter l'élève en question pour le faire sur l'examen? Bon, là, qui gouvernement fin annoncé qu'il peut aller de l'avant avec ce bon examen-là, mais là, c'est l'entière responsabilité du gouvernement qui n'a n'importe qui faille, que ce soit au niveau système transport, que ce soit au niveau invigilation, ou n'importe qui détail pratique, mais là, le gouvernement assume l'entière responsabilité parce qu'il me pensait dans une période pareille, le gouvernement mettait l'organisation sans faille pour que les enfants, nous connaissons qu'il y a des enfants déjà stressés, nous connaissons qu'il y a des enfants déjà angoissés par cette situation-là, et je peux le composer de l'examen pas dans les meilleures conditions, dans les conditions qui ne me pas croire qu'un petit peu souhaité à le composer de l'examen dans les conditions pareilles. Mais maintenant qu'il y a une décision qu'il prend pour laisser les enfants à le, pour permettre aux enfants à le composer SI et HSI, donc m'espérer que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, il prend tout bon dispositif qui vient pour que ça déroule dans les meilleures conditions possibles pour que les enfants là composent en toute sérénité. Mais en ce qui s'agit de l'examen national somme 3, bon, là, mon pensée, le gouvernement, qui est la possibilité, par exemple, pousser pour la première fois qu'il peut faire l'examen national forme 3. Là, tu peux débuter ça, là. Alors, là, mon pensée, le gouvernement, qui est une possibilité, s'il y a envie, renvoyer ça par un an, parce que les enfants, là, tu peux continuer à faire ce forme 4, dans même l'école qui y était, et pas tu peux exposer ben, les enfants, surtout avec ben, dans sa condition sanitaire qui nous était à partir de expose sa bande d'enfants, parce que 8000, 9000 enfants de grade 9, qui nous sont capables d'éviter, qui mettent les anciens qui lâchent pour le composer à l'examen, parce qu'il n'y a pas de dame, mais nous sommes capables de renvoyer pour l'année prochaine sa National Exam Form 3-là. Et déjà, par exemple, pour un extended programme, les enfants qui font extended programme, je ne peux pas composer ça, hein. Il peut débuter l'année prochaine. Alors, il y a la possibilité, dans ce cas, il me pense, les parents, tu peux comprendre. Alors, je ne peux pas comprendre qui fait le gouvernement. Est-ce qu'il me pose même la question, est-ce qu'il tout ban infrastructure, dans l'école existante qui pour une académie, est-ce qu'il finit pareil avec une période de confinement,
parce qu'il y demande certains changements, par exemple au niveau de toilette à son fille, au niveau laboratoire, etc. Il demande changement. Est-ce qu'il demande des collègues pareils? Moi, pas connais. C'est ma question qui me posait. Alors là, si le gouvernement peut aller de l'avant, mais qui dit prend là aussi toute bonne disposition nécessaire, parce que c'est le gouvernement qui assume toute la responsabilité.